C'est fait. J'ai passé la première année. Salut, je m'appelle Jeanne Landolfi et je travaille à la scène nationale d'Albi. Donc moi, je travaille au service du développement des publics, c'est-à-dire que je travaille avec, plus spécifiquement avec les publics jeunes et le secteur éducatif de la crèche jusqu'au collège. C'est compliqué. Là, c'est le second confinement, donc il est plus simple celui-là pour moi parce que les écoles restent ouvertes. On peut garder le lien avec les établissements, avec les profs, et on essaye de créer du lien et de maintenir le lien avec l'art, la culture et les élèves par d'autres moyens. Il y a plusieurs projets. D'abord, il y a tout ce qui est la partie jeune public sur les spectacles tout public, où là, nous, on a mis en place avec l'équipe des actions en lien avec nos spectacles jeune public autour de la famille. Et la seconde, donc sur le secteur éducatif et les publics scolaires, on a eu un gros projet en partenariat avec l'Éducation nationale et le Centre d'Arlelay autour du spectacle Un balcon entre ciel et terre. Et autour de l'œuvre de Marc Chagall, où on a fait des interventions en classe, les élèves sont venus au spectacle avant qu'on rentre en confinement. Et puis, des dispositifs qu'on a créés cette année, ma journée à la SNA, où on propose aux scolaires de venir passer toute une journée dans notre théâtre, rencontrer les équipes artistiques, travailler avec un intervenant artistique, faire une visite du théâtre. Franchement, j'ai pas de rituel. Ça fait flipper. Non, j'ai pas de rituel. Je commence la journée avec un bon café et je la finis avec un bon verre de vin rouge. Plutôt bagnouls à fond. Plutôt bagnouls à fond. Ouais. Je me suis acheté des gros bouquins de cuisine. Avant de rentrer en confinement, tu vois, genre le papa de la pâtisserie ou pour faire des sauces, tu vois, là. Et puis lire à fond, voir des films, regarder des spectacles derrière mon ordinateur, vu qu'on peut plus se déplacer dans les salles de spectacle.